Bonjour, vous êtes sur Bref de Taverne. On est aujourd'hui avec Simon Lotou du groupe Empoigne. Salut Simon. Salut. Bon, bah encore un passage sur le festival interceltique de Lorient. Pour vous, c'est quoi l'ambiance à Lorient ? Oh bah Lorient, c'est un festival un peu incontournable, on va dire, de l'été quand même, quoi. Où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a des voilà et puis ça rencontre beaucoup de cultures. Beaucoup de monde aussi. Beaucoup de monde, voilà. Et puis il y a quand même plein de groupes musicaux à passer en peu de temps. Voilà, donc ça permet d'avoir une bonne qualité. En plus, en Bretagne, il manque pas de musiciens. Donc, c'est clair. Donc c'est vrai que ça permet de voir aussi ce que font les autres un peu. Voilà, comme Spontus, là, ce qu'on disait. Voilà, ça permet. C'est des choses qu'on n'entend pas tous les jours. Voilà, et c'est vraiment chouette de d'être dans cet environnement-là, dans ce milieu-là. C'est bien sympa. Ouais. Vous avez une actualité très chargée cet été puisque c'est les 10 ans d'Empoigne. C'est ça, c'est les 10 ans, ça fait 10 ans ouais déjà. Donc, vous avez prévu une grosse fête du coup? Bah, c'est ça, ouais, on va faire une grosse fête d'anniversaire, voilà, avec plein de monde. Hein, voilà. On fait ça à Saint-Mailleux le 16 août. Oui. Saint-Mailleux, donc centre-Bretagne, voilà. Un peu à la maison, presque à la maison. Ah ouais, moi j'habite à Saint-Mailleux, voilà. Mais c'est ouais voilà, Pays de Garlédan, voilà, Mûres, etc. Entre Mûres et Corlay. Et voilà, 16 août, donc on fait un fest-day, apéro sonné, fest-noz, donc qui démarre à 16h et qui terminera à 4h. Voilà, tard dans la nuit. 12h, voilà, avec plein de groupes. Voilà, oui, plein d'invités, apparemment une grosse affiche, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc il y a des groupes, qui tournent depuis plein d'années, comme Carrément Show, Lonetfall, etc. Et puis des groupes voilà, un peu comme nous, Startigen, etc. Et puis des groupes plus locaux, voilà. Oui. Comme Carvelli, Kentan et tout, et puis des gens avec qui on a beaucoup d'affinités et puis qui sont vraiment des copains. Et donc on a voulu les inviter, tout ça, on va faire une grosse fête, et puis en même temps on n'a pas oublié les chanteurs et les sonneurs, voilà. Donc d'accord. On retrouve des chanteurs, des sonneurs, des duos aussi. Ouais, donc quelques surprises alors à attendre. A priori, ouais, je pense que le passage d'Empoigne devrait être agrémenté de petits suppléments, voilà. Bon, bah du coup, faudra vous déplacer pour voir ça, jeunes spectateurs. Il n'y a pas le choix, ouais, je pense que ça devrait être plutôt sympa. Donc là, on travaille avec deux chanteurs de renom, sans donner leur nom, voilà, c'est... Bon. Voilà, et puis en même temps, et puis on dit bouquet final là-dessus. D'accord. Voilà, sur le terrain de foot de Saint-Mailleux, parquet, tout ça, belle scène et tout ça. Bon. Presque en famille, puisque toi, c'est vrai qu'avec ton frère, bah, c'est Empoigne, c'est d'abord une histoire de famille, bah, quand même, ça, le groupe. Enfin, hein. Nous, voilà, on est sur les quatre membres fondateurs, on est deux Lotou, voilà, donc Thibaut qui fait de l'accordéon et moi à la bombarde, et autrement, il y avait Michael Derrien qui est toujours là au sax, et puis Morgane Mingui qui faisait de la guitare, oui. Qui fait toujours de la guitare, et puis qui était membre aussi fondateur. Du groupe, et puis ça, tout ça, ça s'est modifié avec le temps, et puis en 10 ans, voilà, maintenant on est arrivé à une formule où on est 7, et puis voilà. We'll be right back.
Depuis 2012, avec la sortie du CD, c'est vrai que vous avez intégré d'autres musiciens, vieux routards, jeunes. Deux anciens qui tournaient ensemble, qui ont tourné pendant un petit paquet d'années avec Serva, avec Skellus et tout. Et voilà, et donc là, on est sur une formule basse-batterie, on fonctionne par couple, quoi. Basse-batterie, section rythmique, Ensuite, on a plus de l'harmonique avec accordéon-guitare et puis la mélodie, saxophone. Ouais. Voilà, là, on est sur. Et puis, ça a bougé pendant 10 ans. Et puis, on s'est dit, on va fêter ça, on va quand même. Parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, peut-être qu'on ira pas jusqu'aux 15 ans ou jusqu'aux 20 ans. Donc, on s'est dit, là, on a fait 10 ans, c'est déjà super bien. Ah, bah, c'est clair. On va fêter ça, donc c'est pour ça, grosse fête, ça va. Bah, c'est vrai que vous avez toujours été attaché à avoir toujours un très bon son Chris Bryce. Et puis, par contre, faire évoluer, moderne. L'importance qu'on donne dans ce qu'on fait, c'est vraiment la danse. On essaye de, même si des fois on n'arrive pas tout le temps, mais on essaye de styler un maximum la danse, ce qu'on sonne, pour les danseurs. Il se passe quelque chose avec aussi les danseurs, c'est l'intérêt plutôt que jouer dans son coin et puis finalement déballer quelque chose sans interaction, on va dire, avec les gens. Donc c'est quand même l'objectif principal du Fesno. Ça, c'est vrai que c'est une caractéristique de votre groupe, c'est vraiment très très dansant. On essaye de faire attention à ça et donc voilà, c'est vrai qu'on suite à l'intégration de nos deux expérimentés, on va dire ça. on a fait un CD avec Cobrise, donc production Cobrise, Keita Mapado, c'était en 2012 déjà. Prochain projet, on n'a pas de CD en vue, mais par contre on veut développer un projet justement avec des chanteurs, remettre le chant aussi. Du chant à l'intérieur d'Empoye. Voilà, du chant d'Empoye, donc ça ce sera pour des scènes un peu exceptionnelles, mais c'est aussi par rapport à la langue bretonne, parce qu'on a des convictions, et on essaie de véhiculer ça, l'importance de la langue et quelque chose qu'il faut transmettre absolument et en transmettant ça par le Canadiscan, Et en plus, en Bretagne, il y a quelques bons chanteurs, effectivement. Même à Saint-Mailleux. C'est un super chanteur. Donc c'est des choses, on va travailler petit à petit l'hiver prochain et il y aura un petit avant-goût déjà le 16 août. Ceux qui seront présents, donc on le redit à Saint-Mailleux le 16 août. Et puis du coup, ce soir, Empoye joue à l'espace Bretagne. C'est ça, on joue très tard quand même. On joue à minuit et demi, de minuit et demi à 2h. Mais ça va aller. On vous souhaite bon courage en tout cas. Et puis une prochaine fois, Simon. Merci, à plus, salut. Au revoir.